Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier full set Mega Drive. Alors, on va lancer le jeu. Donc aujourd'hui, on est sur Quackshot. Hop là. Starring Donald Duck. Alors, c'est un petit peu le son, c'est un petit peu fort pour moi. Un jeu donc Mega Drive par Disney sorti en 1991. Et ça commence bien, mais la manette n'est pas reconnue. Sorti en donc 1991, donc au tout début de la Mega Drive. Alors, à défaut de ce qu'on avait, stick qui me vole autour, à défaut de ce qu'on avait au tout début, donc sur les jeux, sur les jeux Disney, ce n'est pas Capcom qui s'en occupe, mais Sega directement. Sega qui avait également fait donc les Magical Quest. Pas les Magical Quest, les Land of Illusion. Oui, c'est la jungle des moustiques, ouais. Et World of Illusion. Donc le scénario, Donald trouve une carte au trésor chez l'oncle Picsou et part. Je crois que je l'ai eu. Et part à l'aventure. Le problème, c'est que Patty Muller a déjà trouvé cette carte. Et donc c'est la course contre Patty Muller. On va lancer. Donc le style de jeu c'est un platformer un peu à la Metroidvania. Plusieurs boutons, donc saut et on lance des ventouses. Alors des ventouses vous me direz je sais pas pourquoi. Hein. Alors par contre la première arme, la particularité c'est qu'elle ne tue pas, en fait on les immobilise uniquement. Et donc après les ennemis... c'est très bien. Ouais. Et les ennemis, par contre, voilà, reprennent du service très rapidement. Donc là, on récupère des piments qui vont nous permettre de devenir invincibles et super vénères. Je trouve ça d'ailleurs très drôle comme option pour Donald. On va éviter la ruche et les potes fleurs. Oh, merde. J'aime beaucoup le patibulaire. Le patibulaire grand-mère qui te jette des potes fleurs. Ah, et mince. Regardez le chat, c'était une erreur. Et donc en fait on va bouger entre différentes maps pour trouver les objectifs. Alors c'est pas un jeu que je connais très bien. Je l'ai dans ma collecte, mais je l'ai jamais réellement démarré. J'ai toujours préféré World of Illusion. L'animation est quand même pas mal, donc nanana. Donc il faut que je débloque un outil. Donc j'ai l'outil, alors j'ai le point niveau, et donc avec ce point là, je vais pouvoir appeler l'avion et changer de niveau. Alors c'est vrai qu'il est quand même très très beau pour un des premiers jeux de la Mega Drive. Hop, on a le choix, donc la Transylvanie et Mexico, donc on va aller au Mexique. C'est quand même pas dégueu quoi. Ça me fait plaisir de faire du full set Mega Drive parce que mine de rien, la Mega Drive pour moi est un peu la mal aimée des consoles 16 bits en Europe. Elle avait ses avantages et ses inconvénients. Tiens, voilà. Pour le passage, et mince. Tapez-toi. Ok. Je peux aller bien loin. Vous voyez, j'ai beaucoup de style. En rentre, la musique est un peu horripilante, le moustique m'en veut. Meurs toi. Le son est fort, on va baisser un peu le son du jeu. Tac. Hop. Alors malheureusement c'était un peu aussi le défaut de la Mega Drive, il y avait un chipset audio un petit peu dégueu quoi. Mais par contre, mine de rien, sur le papier, un peu plus performante que la Super NES. Ah, des plateformes, j'adore ça. Hop là. Un cactus, rentre chez ta maman. Hop. Et là, coucher de soleil.
Mais c'est dommage, ouais, la Mega Drive, mine de rien, elle était. Oh merde. Elle était un peu délaissée et. Bon, je trouve qu'elle en avait dans le ventre. Et elle a vu, mine de rien, elle a des jeux très 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 sympas. Elle a eu son propre Megaman. Oh, génial, la plateforme bouge. Son propre Megaman, elle a eu son Castlevania. Est-ce qu'il faut que j'appuie? Ok, il fallait pas que j'appuie là-dessus. Merci. Il fallait savoir. En même temps, il y a une tête de mort, mais. On est dans le désert. Non? Ok. Ok. Fallait éviter comme ça. Et son propre Mega CD. Alors, personne ne critique le Mega CD qui est pour moi. Quelque chose. Une super console, ne serait-ce que pour Final Fight CD, qui est la meilleure adaptation de Final Fight, même devant l'arcade. Tiens, hop, toi tu vas me relâcher la rue sur la gueule si je me barre pas. Ouais, d'accord. Alors il y a plusieurs armes. Vous voyez qu'on a quand même là un stage plus long que le premier. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite cochonne. Non, non, c'est pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est comme animal. Ok, il faut une clé spéciale pour entrer dans la rune. J'escale. Ok, il faut avoir la clé du héros. Génial, donc je ne peux pas aller plus loin. Ah oui, Night Trap, comme le dit Terry. Allez, on va appeler l'avion et on va aller au troisième niveau. Night Trap qui était juste dingue, quoi. Alors pour l'anecdote, moi j'ai eu la Mega Drive quand même assez tard. J'ai pas eu tous les jeux. Le Mega CD, j'ai eu très 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 tard parce que parce qu'il fallait avoir des sous quand même à l'époque, hein, pour l'avoir le Mega CD. Donc j'y allais jouer chez le copain un peu riche de l'époque. Ok. Mais surtout, enfin, le Mega CD était une révolution. Ah ok, patibulaire de chauve-souris maintenant. Était une révolution en demi-teinte pour moi, parce que j'avais eu la chance de connaître avant ça la PC Engine. Avec la PC Engine CD qui était. Qui était. Waouh! Ok. Petite latence. Alors. Ok. Ouf! Hop, petit one-up, merci. Merci, Patibulaire. Non, 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 non. Et je suis mort. Dommage. Bon, bah, c'était un one-up rapidement consommé. Alors, ils sont assez généreux, je trouve, mine de rien, au niveau des respawns. Ils pourraient être plus sévères. Allez, on va te laisser passer. Ah, mais alors, oui, quel salaud ce copain riche de l'époque. Clairement. Et on en avait tout ça. C'était le même qui a eu d'abord la PC Engine, puis le Mega CD. Et j'allais jouer à. Je crois que c'était Jaguar CD qui était. Enfin, moi je sais pas si. Je suis mort comme une merde. Alors c'est pas de l'eau, c'est des sables mouvants, je pense. Donc ouais, quand le Sega CD est sorti, mine de rien, c'était assez dingue, quoi. Certaines vidéos avec, je me rappelle, c'était le jeu des. Qu'est-ce qu'on s'appelait? C'était le groupe de rap. Il y avait Scottie Pippen, mais il y avait les Criss-Cross où tu devais faire un clip. Alors, c'était complètement useless. Alors celle-là, j'arrive pas à l'atteindre en plateforme. Je me précipite trop. Hop. Alors j'aimerais bien avoir une arme qui tue les méchants quand même, parce que alors, il me semble que pour l'instant la seule arme qui tue les méchants c'est le popcorn, et elle est limitée, quoi, donc je vais la garder pour un boss ou quoi. Hop, ok, allez, on va la faire un peu plus safe. Là il y a un patibulaire, non? Ouais, il y a un patibulaire qui va me lâcher une vie. Ouais, ok, j'ai pas sauté.
Alors, allez, on va l'utiliser pour le prochain patibulaire. Alors malheureusement, par contre, je trouve que le... Alors j'ai gardé le mapping de base de la manette, hein, qui est en fait B pour tirer et C pour... Et C pour utiliser le... Enfin, C pour sauter et B pour tirer. Oh! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu a bugué ou... En effet, le jeu a bugué. Je suis passé derrière le niveau. Est-ce que c'est un passage secret? Alors, jusqu'où je peux aller? Ok. Ok. J'ai fini le stage! Et on va sortir du jeu. Ouais, d'accord. Non, je saute, je suis coincé derrière le niveau. Bon, c'est pas mal. Alors attendez, on va essayer de se mettre au niveau du... Je ne peux pas communiquer. Ah, je suis passé dans l'autre... Ah ben voilà. Ok, pas mal petit glitch à utiliser pour les speedruns peut-être. Alors si je n'ai rien pour souffler sur ces trucs, je ne peux pas aller plus loin. Oui, mais en même temps, je n'ai rien trouvé. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas avancé plus loin dans ce jeu, parce que c'était bon pour un gamin de 8 ans, c'était pas forcément super clair ce qu'il fallait faire, surtout quand tu parles pas anglais. Et ben voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de ces 12 minutes. C'était les 3 premiers niveaux donc de Quackshot starring Donald Duck. Et puis merci d'avoir été au rendez-vous. Et puis on se voit à la prochaine émission. Merci, à bientôt. Alors.